Bonjour, je vais vous présenter le produit BioVert pour laver la vaisselle. C'est un produit doux pour les mains, qui est bon pour l'environnement, qui est pas trop cher, qu'on peut acheter chez Pharmaprix. Il est fabriqué aussi au Canada. La bouteille est recyclable. Première étape avant de laver sa vaisselle, toujours s'assurer que notre bac y est propre. Le mien il est un peu sale, comme je vais mettre un peu de produit à vaisselle dessus, je vais aller le laver avec ma housse dans la salle de bain, je vous en reviens tout de suite après. Bon, je viens de finir de nettoyer le bac, le produit sent bien les agrumes, ça sent vraiment bon. Mes mains sont correctes, là. Bon, on va procéder pour le nettoyage de la vaisselle. Premièrement, toujours s'assurer de savoir où sont les morceaux pour pas couper. Tout ce qui est coupant, on met ça de côté à l'avance. On fait ça à la fin. Aussi le reste des affaires de recyclage dedans pour pas que les affaires de recyclage toutes sales. Je suis quand même pas mal responsable. Bon, je crois que tout est correct. On met de l'eau chaude. L'eau chaude, ça atténue les bactéries, ça lave mieux, ça fait que le produit il dure plus longtemps dans l'eau. C'est que normalement c'est plus écologique mettre de l'eau fraîche, mais ça lave beaucoup moins bien avec de l'eau fraîche. Donc le ton, bon, ça part bien. Allons-y. Le fait de laver souvent sa vaisselle, ça évite d'avoir des insectes, ça évite d'avoir une grosse pile de vaisselle, que c'est décourageant, que ça me demande genre 2-3 heures. Faire au moins sa vaisselle une fois par jour, maximum ou 3 jours, parce que sinon, risquer d'avoir plein de petites mouches qui volent, parce que l'été s'en vient, en même temps, c'est pas fun pour la visite, ils viennent, puis. La vaisselle n'est pas faite, ça sent pas très bon. En même temps, une vaisselle propre, c'est bon pour l'estime de soi. Bon. Allez, quand je me suppose, j'ai un petit bug. On a un petit bug, désolé, désolé. Merde. Bon, ça fait que là, c'est ma page. Ah, c'est vrai, je l'ai même mouillé. C'est pas bon. Attends un peu, on va sécher ça. Mes premières vidéos. C'est toujours quelque chose. Lorsqu'on a fini, il est bien important aussi de laver
le lavabo pour être sûr de pas se ramasser avec des bébites qui sortiraient du lavabo pour pas qu'il y ait des traces d'odeur de bouffe. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez commenter comment que vous avez aimé cette expérience, ce petit cours de vaisselle. En même temps, j'ai testé le produit. Si je teste d'autres produits de vaisselle, je vais sans doute le tester juste sur devant vous, juste sur une pièce seulement. Là, je vais juste vous montrer un petit cours. Ok. Sur ce, bonne soirée.